Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge et Magie. On fait un anneau de Paul Watnos pour aller sur un Xelor au PVP. On a besoin d'un mode, alors Near Perf évidemment, avec 3% de résistance haut. Et si j'ai moins de 3%, je tenterai un crit dommage distance. On a 88 depuis. Et bon, c'est un item qui est très simple à faire et je fais du double repassage, hein, c'est-à-dire que j'utilise le puits et à la fin je tente PM puis PO. Donc on devrait assez facilement choper des gros gros exos. Là j'ai moins 12. Ça me donne 76. En vrai je vais faire une tenta. Ok parfait, moins 3. Ce qui me permet de mettre ma petite rune pod et d'avoir une vita parfaite. On fait les choses bien là. On a 73. J'ai une tenta sagesse, ça aurait pu. Et j'ai 12 tenta res. C'est parti. Allez, 2, 3, let's go, c'est plié. Est-ce qu'on a le PM, les amis? On n'a pas le PM. 85,2 depuis. On va commencer tout de suite. Double ravi, moins 10, c'est parfait. Double pas ça. Moins 18. Bon, l'avantage, c'est que comme l'item est très simple à faire et qu'en plus on a le PO qui est tombé, là les tentas vont vraiment aller très très bien. Il va juste falloir qu'on ait un peu de réussite sur leur passage et puis ce sera tranquille quoi. On a 33. Bon, j'ai 3 dont j'ai pas grand chose à faire. En soi, je pourrais mettre une rune prosp. Si je crit, je gagne une tentarèse. Ok, ça se tentait. On a 5 tentarèses. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, 3%, let's go. Est-ce qu'on a le PM, les amis? On n'a pas le PM. 79 depuis. On va commencer par ça. Pour la Vita, j'ai plusieurs façons de faire. Bon, on va la monter tranquillement ici. Et puis, je pourrais gratter avec de la rune pod, des plus 2 si je veux, selon le puits qui me reste à la fin. On a moins 6, moins 4, moins 6, moins 8. Il nous reste 43. Là, typiquement, j'ai un de puits en rab. On va pas le prendre, on n'en fera rien du tout. On va juste go 7 tentares. 3%. Est-ce qu'on a le PM, les amis? On n'a pas le PM. 88 depuis. Pareil, on verra la vita à la fin si on veut grappiller un peu ou si on préfère une tentares de plus. 4 moins 24 là-dessus, c'est un peu dommage. Moins 4. On a 60 tout pile. Bon, bah 10 tentares, c'est parti. Allez, un crit. Deux crits. Une, deux. Pas de 5% dommage. Est-ce qu'on a le PM là-dessus? On n'a pas de PM. 87 depuis. Allez, le petit crit. Moins 10. La pavie. Moins 6. Et le crit, on a 71. Bah alors ça, c'est un peu dommage. Est-ce que j'aurais pas un peu de puits en rab? Je pense pas, mais je vais revérifier du coup. J'avais compté que j'étais à 0 ici. Là j'ai un moins 4, là j'ai 1,4, 5,4. En vrai, yeah oui, je crois que je l'ai. Hein. 5,4, 11,4, moins 6, 5,4, j'ai plus 1,4. Et let's go, 72. Allez, ça part, 12 tentas. Ok, 3%. Petit quatrième. Non. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 81 depuis. On peut avoir le full perf. Je pense qu'on va aller le chercher en vrai. On va mettre le crit d'abord. Ok, let's go. Allez, on va aller chercher le beau jeu. Moins 6. Je veux mon perf. Comme on a les 40 sagesse, là, ça me motive à aller le chercher. Ça va, c'est pas trop coûteux.
Bon bah allez, hein, c'est parti, encore 10. C'est pas mal ça. Hein. Genre. Et évidemment, c'est là-dessus qu'on a le PM, c'est abusé par contre. Pas de PO, mais on casse le PM dans la foulée, alors ça c'est intéressant. Du coup, j'avais. Là, j'ai moins 60. Oups. J'ai moins 66 plus 2,5 plus 0,1. J'ai 2,9 plus 22,4 plus 12 plus 90 moins 51. On a 76,3 depuis. On peut faire des trucs sympas là. Je peux aller chercher. On peut caler une papode là. À moins 38. Vas-y, let's go. Là, on est full beau jeu là. Allez, moins 40. La petite papode. Hop. Plus 0,1. 36,4. Et ça nous fait 6 tentas. Et en vrai, c'est de la gestion absolument incroyable. 3% comme ça, ce serait stylé. En vrai, si je passe le 3% full perf comme ça, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Allez, est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 80 depuis, on a une très très belle tenta avec un jet très haut à 40 sagesse. On va juste être en moins 1 vita. Ce qui nous amène à 77,2 depuis. Alors, j'avais commencé à remonter un petit peu. C'est possible que j'ai un poil plus. Mais bon. Là j'ai un moins 1. Là j'ai en soi j'ai plus 0,6. En vrai, il y a peut-être un monde où j'ai 78 quoi. Mais est-ce qu'on peut vraiment parier là-dessus? Ça devient compliqué de remonter plus haut après dans l'historique. Bon. J'ai soit 12, soit 13 tenta, quoi. On va déjà mettre 12. Ah non, cela dit, non. Je vais recompter, non, je recompte. On a... En plus, là, je suis à 80, sur la ligne ici. Là, j'ai moins 6, là, j'ai plus 4. Là, j'ai plus 2,2, donc là, ça me fait 0,2. Si je compte les deux là. Là j'ai un moins 3, là j'ai un plus 3. Ok, donc là c'est clean. Là j'ai moins 1. Là j'ai le plus 0,6. Il me manque juste 0,2 et je gagne une tentares quoi. Là j'ai plus 3. Ah mais attendez, je les ai pas perdus les plus 3 d'ici là. Ah ouais. En vrai, je pense que j'ai 13 tentas. On va voir, peut-être que je vais m'en vouloir. Soyons joueurs. 4%. Est-ce qu'on prend la confiance et on dit qu'on a 13? Déjà, j'en refais une parce que j'ai un crit. Je crois que c'est ça, hein. Vas-y, vas-y, comme on est sur un 4% qui rend de sagesse, je vais recompter une dernière fois. Non, mais c'est juste pour voir, quoi. Moi, je vais commencer ici, du coup. Là j'ai 3. J'ai plus de... Oups. J'ai plus 2,6. Plus 4, moins 6. Ensuite j'ai moins 1. Ensuite j'ai plus 3. Ensuite j'ai moins 3. Ensuite là j'ai plus 2,2. Là j'ai plus 4. J'arrête pas de me tromper de focus. Plus 4. Mais... Je vais y arriver. Plus 4. J'ai moins 6. Et ensuite j'ai plus 80. Et là j'ai moins 9. Enfin j'ai moins... Moins 3 quoi. 79. Ouais j'ai encore une tentative, je m'en fous. Tac. Ok, ça passe pas. C'est bon, c'est clean. Pas de gâchis depuis. Alors, est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 88 depuis. Bon, l'attentat est pas incroyable, mais ça peut donner un truc sympa. On va go. Là, je regarde comment je vais gérer ça. Je vais avoir besoin de faire Pavi, Runini. Sinon, je peux faire quoi d'autre? Je peux faire Ravi. Faut que je vire 37 ensuite. Bon, c'est pas intéressant. On va juste bourriner les raises. Moins 18. Le tacle, moins 4. La pavie, moins 3. Petite rune innée, c'est très bien.
Il nous reste 63. On peut mettre du coup une pavie. Parfait, une pod. Et 10 tantares, c'est magnifique. Allez, allez, allez. Ok, dommage, 2%. Et pas de PM. 87 depuis. Oh, on est pas mal là. On peut faire. On peut avoir un perf si on a le moins 5 et pas de moins 6. Ok, parfait, on a le jet parfait. Le crit en plus, moins 4. Très très belle tenta, on a 80 depuis. Bon, je pourrais tenter double crit succès neutre. Enfin, double crit 13 neutre en vrai. Bah, en vrai, oui, hein. On va pas gaspiller. Ok, voilà, c'est fait. Il y avait un monde où je double critais, je gagnais une tenta. Donc on a 13 là-dessus, c'est énorme. Allez, ça commence très très bien. 3%, peut-être un 5% qui sort, qui sait. Ok, pas de crit. Est-ce qu'on a le PM sur ce beau jet parfait 3%? On a le PM, les amis, c'est peut-être maintenant. Est-ce qu'on a le PO? Auquel cas, on termine là-dessus et je suis hyper content de mon item. Est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO. Bon, ça a ressauté juste derrière le PO. Donc on peut, on a juste à remonter les res R là. Et si on a un peu de crit? Ok, c'est pas le cas malheureusement, j'ai moins 24. J'ai 15 du coup, je peux tenter un crit prosp. Qui passe pas. J'ai deux tentas res. Peut-être une tenta sur 2%. Non, est-ce qu'on a le PO? On a le PO. Bah écoutez les amis, première tenta de crit dommage distance. C'est parti. Eh ben non, je les ai pas. C'est marrant ça, je vais les chercher à toutes. Hop là, c'est bon. Donc, est-ce qu'on a le crit dommage distance là-dessus? Ce qui me mettrait tout à fait bien. Pas de crit dommage distance. Bon, bah décidément, ça ressaute encore juste derrière. L'item qui reste parfait. On a juste un tacle à mettre, moins 4. 80 puits à nouveau. Bah ça fait vraiment plaisir tout ça. On tente à nouveau le double crit là-dessus. Ok, c'est mort. On a donc 13 tentas à nouveau. Et là, j'ai juste le PM à repasser pour le coup. Allez, 1, 2. Allez, un petit troisième quand même. Oh, comment c'est pas fun. Et pas de PM. Oh, c'est abusé là par contre. Bon, on a le PO qui saute là. C'est un peu mitigé. On a 41. On va monter tranquillement comme ça. On peut peut-être gratter quelques petites tentes. Hein, on va voir. On a moins 9. Moins 6. Allez, les runes tacles. C'est parti. Moins 12. Reste 14. Bon allez, on va pas se casser la tête, on va juste mettre 2%, un PO, et ça passe pas. Du coup, on remet pas le PO et on repart en double repassage. 74 depuis. Bon. La passa, moins 18, ça pique un peu. Les res qui full crit. Oh ok, ça fait plutôt plaisir, moins 4, on a 52. J'ai donc une tente à pavie. Ok, dommage, ça aurait été pas mal pour gagner 2 de vie à la pod. Il reste 8 en tarez, on va y aller comme ça, ça sera très bien. 3%. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 84 depuis. Bon, la vita m'embête pas mal. En vrai, je pense que je vais ravi. Je vais ravi et espérer un moins 6 et ensuite go exores direct. Ça me paraît le meilleur call. Bah, moins 40, bah, c'est marrant ça. Ok, bon bah c'est dead. Il me faudrait un moins 6. Ok, bon ça c'est cool au moins. Et là du coup j'ai 7 tentas, 13. Bon, c'est pas ouf. Hein. Alors je dis ça mais... En vrai je vais plutôt faire une tenta sagesse avant. Une tenta sagesse et 6 tentas 13. Ok, j'ai eu un crit. Ok, parfait, le 3% improbable. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 85 depuis. Allez, ravi. Et c'est pas marrant. Ok, moins 20. Bon. Repair, tac, moins 10. On a 55. Bon, en vrai, c'est pas trop mal. On a 9 tantares. Allez, 1. 2. Ah, c'est pas très marrant tout ça. Hein. Et toujours pas de PM. 84,4 depuis. Alors pour la Vita. Je vais y aller à la pavie, je pense. On va y aller comme ça. J'ai un moins 15. C'est pas ouf, mais comme l'attentat est pas très belle, on va dire que on va minimiser le truc. Moins 8. Moins 9.
Moins 20. Bon, on va pas avoir beaucoup de puits pour exo, mais... En vrai, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. Là, j'ai 32. Allez, 5. Ouais, bon, c'est pas dingue. Pas de PM. 86 de puits, on a 37 sagesse, donc 40, ça, c'est pas mal. Bon, pour la Vita... Je pourrais tryhard de la Vita. Ou alors... Là, si j'over, j'ai 37 à virer. En vrai, ça se fait. Hein. Non, on va faire le petit joueur à la pavie. On veut juste un max d'exorès, nous. Hop. En vrai, je peux même remettre une pavie. Celui-là, du coup, j'ai 74. Ah non, même pas. On va go 12 Tantarez. Let's go, 3. Allez, je veux voir du 5% là. Bon, est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 89,4 de puits. Bon, en termes de congruence, c'est pas magnifique. Mais on a beaucoup de puits pour le pour l'exo. 83, je vais mettre une pavie. Qui passe pas. Et 13 repères. Hmm. 4%. Ok. Est-ce qu'on a le PM là-dessus? On n'a pas le PM. 87 de puits. On va mettre pavie, moins 3. Ok, pas mal de crit, ça fait plaisir. Moins 6. Encore une fois, congruence pas magnifique, mais potentiellement grosse. Potentiellement gros exo. Allez, on a 12 tenta là-dessus. Ah oui, d'accord. 2%. Pas de PM. Bon. 69 de puits. Bon, c'est pas dingo. On a moins 19. On peut avoir le full perf au moins, ça fait plaisir. Moins 6, on a un peu de crit, c'est plutôt cool. Moins 3. Allez, il nous faut le moins 5. Ok, le perf est là. On a donc tout pile 42, 7 tenta, c'est pas mal. 2%, assez timide. On a le PM, est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO, mais on casse le PM, ce qui me permet d'illustrer la raison pour laquelle j'expliquais au chat que je mettais le PM plus le PO. Ce qui nous fait donc 3, plus 8, plus 10, plus 12, plus 90, moins 51, 72 de puits. Et là, on peut tout de suite repartir dessus. Donc on a le tac, moins 4, moins... Oh, bah alors là, ça ruine l'attentat un peu par contre. Moins 8 à nouveau, on a 40, j'ai donc une tenta sagesse et 6 tenta raise. Ok, 2% à nouveau et pas de PM, on continue. 86 de puits. Allez, les raise, moins 18, le tacle, moins 8, 62 puits, petite pavie. Moins 6, c'est tout à fait correct. Ce qui nous fait donc 9 tantares là-dessus. Let's go. Ok, on a eu un crit. 2%. Pas de PM. 81,2 de puits, toujours un plaisir hein, de casser le PM avec une passa qui nous monte à 40. Il nous faudrait une petite pavie. Moins 6. Allez, il me faudrait un moins 10 maintenant. Nice. 75, 77, assez dommage, il manque 3 fois rien. On peut tenter un cri très neutre. Non, on l'a pas. Bon. 12 tenta. Allez, 3% d'emblée, let's go. Là, s'il n'y a pas un quatrième qui sort, c'est abusé. Parfait. Est-ce qu'on a le PM, les amis, sur ce j'ai parfait 3%? Pas de PM. 88 de puits. Bon, ça se présente pas trop mal en termes de congruence. On va mettre le tacle. Moins 4. Les 3 pavis. 1, 2, 3, moins 9. Le crit et la passa. Ouf.
Moins 28. Moins 4. 43 de puits, c'est pas trop mal en vrai. On a 7 tentats là-dessus. Pas de PM. 82 de puits. Je vais avoir 10 à virer en over. On va faire tacle. Rez, moins 10. Une ravie. Ok, la ravie qui passe direct, ça fait plutôt plaisir. Il me faut l'arrêt fixe. Ok, j'aurais préféré qu'elle passe pas. Il faut que le pot tape dans la vita. Nice. 62, 64 de puits du coup. Il nous faudrait idéalement un petit cri très neutre. Non. On a 10 tantarez. Ok, 3%. Est-ce qu'on a le PM là-dessus, les amis? On a le PM. Est-ce qu'on a le PO sur ce moins 2 sagesse, 3%, ce qui est correct et ce qui me conviendrait? On n'a pas le PO. 81 de puits. Allez, moins 6. Moins 10. Là, il y a juste le PM à remettre, en espérant que peut-être. Moins 18. On a 47. Ce qui me laisse une tente à pavie qui passe pas. Deux tentes à vie. Ok. Et 7 tentes à raise. Ah bah, c'est marrant, ça. Bah, parfait. On continue. 80 de puits. Allez, les petits crits, là. Moins 20, bon, dommage. Le tacle, une fois, deux fois, moins 8. On a 52, ce qui nous fait une tente à pavie qui ne passe pas. Une tente à vie et 8 tentes à raise. Allez, le 3%, c'est parti. Est-ce qu'on a le PM? On a le PM. Est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO. 41 de puits sur un puits PO, mais bon, le G est assez haut. Si la ravie passe direct et qu'on peut enchaîner sur une pote, ça peut faire une tenta sympa. Nice. Si on a de la réussite, il y a peut-être un monde où on le chope ici, mais j'y crois moyen. Ok, le crit qui passe pas, ça, ça fait très très mal. Moins 20. Et plus de puits. On continue. 88 de puits. Allez, la petite pavie. Bah, décidément. Mais, qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 30 de puits pour une pavie à 281. D'accord. Non, mais c'est original, d'accord. Très très bien. Waouh, il est cassé l'item, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez. J'ai moins 24 et moins 8. Mais, je me suis fait bolos, là. Hein. Là, c'est une tente à voler, ça, je reconnais. Ok, bah écoutez, 4 tentes à raise, GG à tous. N'importe quoi. 87 de puits. Allez, la passa, moins 9. Moins 4, on a 74. En vrai, je vais ravi. Oh, le crit, d'accord. Eh ben, ça fait plaisir. Du coup, on a 76. En vrai, il me manque juste un crit et je gagne une tenta. Non. Non. Donc là, j'ai moins 4. Ok, il me reste 11 tentas. Allez, 3%, 4%. Est-ce qu'on a le PM là-dessus? On a le PM, les amis. Est-ce qu'on a le PO sur ce moins 2 sagesse 4% haut? Ce qui me ferait très plaisir. On n'a pas le PO. 85,6 de puits. On va y aller full pavie. Moins 9. Allez, le crit. Et la passa, moins 19. Tacle. Double raise. Moins 16. 41,6. En vrai. En vrai, on va pavie. Ok, moins 3. On a 6 tentas. Pas ouf. Pas de PM, on casse le PO et ça ressemble pas à grand chose.
Excellent congruence, 82 de puits. Pour moins 16 pour le tacle, là ça fait un peu mal, je vous avouerai. Il nous reste 66, 11 tentats. On va quand même aller chercher la pavie, ce serait trop dommage de pas la prendre. Ah bah super, moins 21. 45 restants, on va pas aller très loin, on peut tenter un crit prosp qui passe pas, on a 7 tentares. Oh le no fun, et pas de PM, oh c'est abusé là. 84 de puits, on va commencer par spam un peu des pavis là, moins 3. Petite ravie. Ok, moins 30, bah c'est marrant. Bon on va crit une rasa pour compenser. Voilà. On va mettre un petit moins 6. Le tacle, 1, 2, moins 4. Le crit, moins 10. On va pas avoir beaucoup de marge malheureusement. Moins 18 ici. Le tacle, moins 8. Eh ben j'ai même pas de commettre une raise, c'est magnifique. Et puis évidemment là-dessus le PM passe. Non mais c'est marrant, hein. y a pas à dire quoi. Bon bah. Tout ce que je peux espérer c'est. Casser le PM peut-être. Et non. Bon bah on continue. Unlucky. 86 depuis. Bon. En vrai. On va go comme ça. Moins 9. Le crit. Moins 20. Bah ça fait plaisir. Super. Et moins 10. On a 47. Est-ce que c'est possible que j'avais un peu de rab avant peut-être? Moins 6. J'y crois moyen. Ah si. Plus 7. Moins 6. Bah voilà. Il suffisait de demander. On a plus 1. Donc 48. 8 Antares. Ok, on a eu un crit. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 81 depuis, magnifique congruence. La sagesse qui passe, la raise, moins 6. On a le crit, 3, 66, ça c'est la tenta parfaite. Tout tombe tout pile, c'est juste magnifique. 11 tenta là-dessus. Là, les planètes sont clairement alignées. Si on n'a pas une dinguerie, là, je sais pas ce qu'il faut. Bah 2%, je suis abattu. Et pas de PM, non bah tout va bien en fait, tout est normal. 84,6 depuis. Bon, c'est correct en termes de congruence. Pas dingue mais correct. La pavie, moins 6. Si on a 3 de puits en rab, on pourra remettre une pavie pod éventuellement. Bon, on se fait démolir par la sagesse, moins 45, bah super. Moins 6, on a 27. On a effectivement une pavie qui passe pas. 4 tentares, je suis abattu. Pas de PM, nice. Ouais, bon, le PO qui saute, 32 de puits, je suis pas convaincu qu'on en fasse quelque chose. On va voir la Vita, comment ça se comporte. Bon, bah c'est bien ça, moins 18, moins 18, ouais. Le crit, moins 10. Oh, bah plus de puits. 89,4 de puits. Ok, allez, double pavis, moins 6. Petite repère. 83,4, et il nous manque 3 fois rien pour avoir une tentate de plus. Malheureusement, ces 3 fois rien, on ne les a pas. On peut tenter une pavipode, qui ne passe pas malheureusement. Moins 3. Ça nous fait 13 tentas, c'est quand même plutôt conséquent. En vrai, il y a un monde où je peux mettre un critiné. Into pavie. Non. Bon. 13 tentas. J'aime pas le gâchis de puits. Je suis comme ça. Un crit. Deux crits. Une, deux. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 83 depuis. On peut tenter le moins 6 Vita. Allez, il faut un moins 6, please. Et dommage. La passa qui passe, ça fait plaisir. Moins 7. Le double crit des raises, 73. Ok, c'est plutôt stylé quand même. On a 12 tentas là-dessus. Bon, les tentas s'enchaînent bien, les exorès montent bien, mais bon, le repassage des PMPO, c'est pas ouf, quoi. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. Bon, le PM qui saute sur une rasa qui passe pas, je vous avouerai que ça régale pas trop. Du coup, on va crit des rasas pour compenser, voilà, c'est mon call. Moins 18. Et tout pile 9 tentas, magnifique.
Ah, il faut pas se laisser disrespect par l'item, hein. Ça c'est la base. Allez, 3%. Si je le passe comme ça, c'est juste n'importe quoi. Pas de PM. 80 depuis. Alors la vita, il va falloir enlever 27. Ouais, on va y aller à la pavie, hein. Ce sera plus simple. Genre comme ça. Tech. Tech. Moins 3, let's go. 74, on a 2 en rab. On peut tenter un critiné, ce qui nous ferait une Tenta Pavi into pod. Et voilà, let's go! Let's go! Mais c'est magnifique ça! Hop, et derrière on a du coup. En vrai, de vrai. Ah, j'aurais presque une de plus encore, mais. Non, on pourra pas la choper. On a donc 12. Let's go. 3%. Allez, je veux voir un petit 4... un quatrième là peut-être. Non. On a le PM les amis. Est-ce qu'on a le PO sur ce moins de vitalité, moins 1 de sagesse? On n'a pas de PO. 89 depuis. Moins 10. Moins 6. On a 73. 12 tentats. Allez, 1, 2, 3. Est-ce qu'on a le PM? Tiens, on a le PO qui est dessus encore. Pas de PM. Les congruences sont absolument parfaites. On a 86 depuis. Il nous faut une passa, moins 9. Il nous faut triple pavi, moins 6. Il nous faut une passa, moins 18. Il nous reste 53 depuis. C'est pas impossible que j'ai un peu de rab, mais j'y crois pas trop trop non plus. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, et j'ai moins 4, malheureusement. Non. Donc, il nous faut un critiné pour gagner une tenta. Non plus. Bah, écoutez, on part donc sur 8 res. Allez, 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 2, 3, on a eu un crit magnifique. Est-ce qu'on a le 4%? Non. Est-ce qu'on a le PM sur ce jet parfait? Pas de PM. 84 depuis. On va go rune tackle. Je pense que je vais y aller comme un bourrin. Attendez, j'ai 80. En vrai, je pourrais ravi into direct res. Ou alors juste pavi. Là, ça me fait un moins 6. J'ai 74. J'ai 2 en rab. En vrai. Tac, 12. Allez, 3%, c'est bien. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 83,2. Depuis. Bon, j'ai mis crit une rune ravie, mais elle a crit. Parce que là, du coup, en termes de congruence, ça m'arrange pas de ouf. Je sais, je vais pavi. Moins 6. Je vais ravi. Moins 20. Into repair. Double tacle. Moins 4. Le petit crit, moins 10. Hop, hop, moins 10. 33, on a une tenta sagesse, on a 5 tenta res. Et pas de PM, comme toujours. 81 depuis, on va go ravi. Une toute double pod. On récupère en plus, plus 0,2. Moins 3,5, il nous reste 67, 11 tentats. C'est plutôt joli, on est. On est sur du full perf. 3%, parfait. Les tentats s'enchaînent bien, les 3% s'enchaînent bien, mais les PM pas trop, hein. Et oui. 87 depuis. On va go. On va pas se casser la tête, on va full pavi. Moins 6. Je commence à être légèrement blasé, mais vraiment juste un tout petit peu. On a la sauvegarde du serveur qui fait un poil laguer, tout va bien. Ok. Moins 19. On a 62. Je peux tenter un crétiné pour gagner une pavie. On n'a pas. 10 tentares.
Ok. PM, évidemment. Pas de PO. 84 depuis. Les congruences parfaites. Tout qui se présente trop bien. Allez, c'est parti. Moins 12. Le petit moins 5. Allez. 72. Multiple parfait. Non, mais là, c'est forcément la bonne tenta, là. C'est forcément... Là, j'ai un 3% j'ai pair qui passe. Ou peut-être un 4% j'ai parfait. Obligé. Obligé. Obligé, le PO passe et c'est parti, là. Oh, je le savais! Je le savais. Oh, je suis trop content. En fait, c'est incroyable parce que là, ça fait deux soirs que je suis sur l'anneau. Je viens juste d'interrompre le FM de l'anneau pour faire une fausse séraphine qui, je pensais, allait me faire galérer. Et en fait, pas du tout. Et j'ai dit... Là, du coup, forcément, premier PM, dinguerie, on passe un 3% perf. Et c'est ce qui se passe. Non, mais c'était cool à 1000 km. Je suis trop content. Là, on va partir en colis. Je suis refait. Là, vraiment, full show. Mais écoutez, c'est la fin de cette vidéo FM. Donc, on refera un autre anneau similaire. Et à chaque fois, je tenterai un dommage distance sur le moins bon des deux. Puisque, idéalement, il me faudrait un 3% résistance haut dommage distance sur cet anneau. Voilà, mais dans un premier temps, on va s'arrêter là et on va partir en colis avec ça. J'espère que cette vidéo Forge Magie vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Passage d'une rune de transcendance dommage distance sur une cape luminescente. Avec un G plus que correct au vu de la difficulté d'FM de l'item. Il me semble que cette cape, on me l'avait offerte. Voilà, par un abonné qui savait que j'en cherchais pour mes modes PVM. Et voilà, ça va aller sur le steamer Terre Eau Farm PVM et ça fait extrêmement plaisir.